J'essaye de... Ah, c'est ça. Allez, c'est parti. On se réinstalle tranquillement, mais sûrement. On a une belle question qui nous attend. Voilà. C'est un peu difficile, là. Allez, c'est parti. Je sais que c'est aussi un moment important, ces journées en fait, de conférences, parce que c'est le moment aussi où on peut se voir, se croiser, ce qui n'arrive pas très, très fréquemment. Ça y est, vous êtes prêts ? Alors. La question que je vous... Je vous dis un certain nombre de choses. Vous pouvez en être convaincu ou pas. Vous pouvez penser en disant « ouais, c'est facile et tout ce qu'elle raconte ». Vous savez, ce qui est important, c'est la controverse. Voilà. Et ça, c'est ce que je crois, moi, de mon activité scientifique, et c'est de toute activité humaine. En fait, il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas de controverse. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit souvent que s'il n'y a pas de controverse, c'est que ça n'est pas scientifique. Voilà, c'est simple, hein. Et que, vous voyez bien que là, on est sur des questions qui n'ont pas une solution, qui ont une variété, sans doute, de solutions, mais sur lesquels, et je disais ça au début, on est chacun le produit de son histoire, de professionnel et de professionnalisation, mais aussi son histoire personnelle. Et on va y venir tout à l'heure, mais on trimballe chacun d'entre nous des valeurs qui ne sont pas collectives. On a toujours tendance à dire, si on est tous enseignants ou formateurs et enseignants, on est d'accord sur les mêmes choses. Que nenni, c'est pas du tout le cas. Donc là, la question, c'est à débattre entre vous, et le débat, il est là dans cette journée, puisque c'est aussi d'avoir vos avis. Et mon avis ne vaut pas plus que le vôtre, mais c'est bien de dire à votre avis quelles seraient les conditions nécessaires à la mise en œuvre de systèmes imbriqués. C'est-à-dire que vous êtes du côté des spécialisés, il y a le côté qu'on va dire ordinaire. À quelles conditions, en fait, ou quelles seraient les conditions nécessaires à la mise en œuvre de systèmes qui sont imbriqués ? Parce que ça, en revanche... Alors, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est-à-dire, mais si vous vous dites que les systèmes ne doivent pas être imbriqués et qu'on a d'un côté le spécialisé et qu'on a de l'autre côté l'ordinaire, là, effectivement, on est sur un système ségrégué et c'est plus à l'ordre du jour. Mais bon. Donc, comment vous voyez les possibles mises en œuvre d'un système imbriqué, c'est-à-dire inclusif ? Où on ne va pas avoir deux voies séparées. Alors, c'est à vous, avec vos voisins. Vous y allez, vous avez 10 minutes. Essayez de... Mais vous allez voir, il y aura des objets et des éléments de controverse, mais c'est normal. Et c'est cela, en fait, qu'il faut discuter. Alors... On va reprendre avec... j'ai le micro. On va reprendre. J'ai le micro et on va pouvoir donc... je pense que Marie, vous voulez que maintenant chacun puisse nous dire... Si vous voulez bien prendre la... Enfin, si ceux qui veulent prendre la parole. Donc, on a bien... Vous voyez bien, peut-être des conditions qui vont être nécessaires à la mise en œuvre de systèmes imbriqués. Et avec... des avantages, mais certainement aussi des limites, peut-être même des dangers. Donc, à vous d'exprimer, en tous les cas, au collectif, ce que vous avez débattu de manière plus,
plus individuel, enfin en petit groupe. Juste derrière. Là. Hop. Ah. Bonjour. Nous, de notre côté, c'était ce qui est apparu vraiment comme fondamental, c'est que les enseignants spécialisés aient du temps libre sans élèves. Pour pouvoir aller rencontrer les enseignants, pour pouvoir aller, si besoin, dans une autre école, parce que parfois, enseignants spécialisés en ITEP, en IME, nos élèves sont dans d'autres écoles, donc il faut se déplacer. Voilà, avoir du temps libre. Et on est revenu sur ma collègue d'à côté qui est un poste de PIAI, professeur itinérant d'aide à l'inclusion. Voilà, on disait que c'était quelque chose de vraiment bien, cette possibilité d'aller dans les écoles, d'aller dans des dispositifs, d'aller voir les professeurs et d'avoir du temps. Donc, nous, c'était la question du temps. Ok. Donc, vous êtes nombreux, là, à être des PIAI ? D'accord. Donc, vous, votre enjeu, c'est de vous déplacer dans les écoles et vous êtes donc une aide indirecte aux enseignants pour la scolarisation, enfin, une aide directe aux enseignants, enfin, indirecte dans le sens où vous travaillez aussi auprès des élèves ou c'est les deux ? D'accord. Directement au sein de la classe ? Pas toujours. D'accord. Alors, j'ai le, okay. J'ai le micro, là, parce que oui. J'ai une intervention, là, à oui. Ma gauche. Oui, alors moi, j'interviens, je ne suis pas enseignante spécialisée. Je suis professeure de maths dans un collège avec des classes ordinaires. Pour moi, la condition absolument nécessaire pour qu'on puisse faire des systèmes imbriqués, c'est que, justement, les enseignants non spécialisés aient une formation qui leur permette de comprendre et d'entendre. Parce que, moi, j'ai suivi une formation que je ne peux plus suivre, d'ailleurs, mais je l'ai suivie et ça m'a appris énormément de choses et ça me permet de mieux travailler dans mes classes ordinaires en collaboration avec ma collègue enseignante spécialisée. Mais si on n'a pas de formation, on est à 100 km des préoccupations des enseignants spécialisés. On est vraiment tellement loin que c'est très compliqué. Oui, et malheureusement, beaucoup, enfin, assez régulièrement, en tous les cas en France, il y a assez peu de formations, mais les formations, elles sont parfois faites de manière désolidarisée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des systèmes qui demandent à être imbriqués. Or, en fait, il y a des formations pour, d'un côté, les professeurs de classe ordinaire et de l'autre côté, pour des enseignants spécialisés. C'est ce que l'on constate également entre professeurs et auxiliaires de vie scolaire, par exemple. Souvent, des formations qui ne sont pas faites sur les mêmes temps. Et ça, c'est un point capital. J'arrive avec le micro, je fais un peu d'exercice. C'est pas mal. Je vous la porte. Alors, nous, on a pointé le rôle et la formation des chefs d'établissement, voilà, qui nous paraît très importante. Et là, on est sur les questions de pilotage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que à quelles conditions ? Vous voyez bien qu'il va falloir articuler des temps. C'est ce que disent aussi certains des collègues. Et que les articulations des temps vont être nécessairement autour aussi d'emplois du temps où on va pouvoir positionner des interventions. Et ça, sans le pilotage des chefs d'établissement ou des directeurs d'école, directeurs et directrices d'école, eh bien, ça ne peut pas, parce que sinon, effectivement, on est tout seul. Et là, il y a bien une obligation de travailler de manière collective. Et d'ailleurs, les travaux aujourd'hui de recherche sur la formation montre aussi toute l'importance de penser des formations au plus proche, en fait, de l'établissement. Et il y a des courants de recherche qui s'appellent, par exemple, des lesson studies et qui sont vraiment sur la mise en œuvre au sein de l'établissement de temps de formation, d'analyse des pratiques, en fait. Ça va à un grain aussi fin
pour aller essayer de voir les modifications que ça apporte et sur quel levier, en fait, on peut s'appuyer et sur quel levier on peut stabiliser. Parce que les routines, elles sont aussi extrêmement importantes, vous le savez aussi bien que moi, voire mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des professionnels de tout le temps modifier leur manière de concevoir leur travail et de faire leur travail. Donc il faut impérativement trouver aussi des éléments de routine. Et ça, ces éléments de routine, c'est véritablement de l'analyse de la pratique et de la stabilisation des pratiques. Ça, c'est un élément éminemment important. Donc les chefs d'établissement, la formation, du temps. Je vais reprendre un petit peu la même chose. Je suis comme la collègue là-bas, je suis aussi enseignante en lycée professionnel en milieu ordinaire. Et je suis venue avec ma collègue du lycée. Et c'est vrai que, je reprends un petit peu ce que vient de dire la personne là qui vient intervenir, je pense que... on pourrait dire qu'il faut de la formation, il faut des choses comme ça aussi, mais dans la vie de tous les jours, je vois bien que les gens, enfin, les difficultés auxquelles peuvent se heurter les professeurs spécialisés, et je pense qu'il faut vraiment des qualités, j'allais dire, politiques énormes. C'est-à-dire que déjà, il faut convaincre le chef d'établissement, ça c'est la première chose, parce que quand il y a 30 places dans une classe, si vous mettez 30 élèves et qu'ils ne comptent pas les élèves du lycée, ben, déjà c'est râpé. Et puis, il faut convaincre les collègues. Il faut, on est dans le secondaire, enfin dans les lycées professionnels, ourdis de travail aujourd'hui. On nous demande tout un tas de tâches qu'on ne nous demandait pas il y a quelques années. On fait tous les examens, on fait tout un tas de procédures. Les gens sont ourdis de travail, de réunions, etc. Donc, ils vont vivre en général l'avenue des élèves en difficulté particulière comme une surcharge de travail. Avec aussi un petit peu une intrusion dans leurs cours, dans leur préparation, où ils en sont, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils ont le cours, est-ce qu'ils ne l'ont pas un petit peu rebricolé la semaine d'avant, est-ce qu'il faut qu'ils anticipent pour donner des choses à l'avance, quel va être le regard de la personne qui va venir dans leur cours, enfin c'est compliqué, et je pense que bien réussir à imbriquer les deux systèmes, c'est aussi que il y a un bénéfice, c'est ce que je disais tout à l'heure à mes collègues derrière, c'est-à-dire qu'on arrive à convaincre des enseignants s'ils trouvent un bénéfice à travailler en collaboration avec des gens qui ont des compétences qu'ils n'ont pas. Moi, je sais qu'en CAP, on se trouve dans des zones très proximales de difficultés avec les élèves du LIS. Quand je travaille avec ma collègue du LIS, elle m'apporte des ressources pédagogiques qui me sont utiles pour une grande partie de la classe. C'est un bénéfice assez immédiat. Et donc, je vais avoir plaisir à travailler, à me donner des trucs tout bêtes, hein, du style pourquoi tu ne prends pas une ardoise en Velleda pour faire tes évaluations, tu vas gagner du temps, tu es tout à l'oral, tout le monde comprend, ça fait en 5 minutes, ça me simplifie la vie énormément, ça c'est des choses, tu as vu tes supports, en quel caractère t'écris, tu crois que les autres là, qui ont du mal à lire, enfin, tout un tas de détails comme ça qui vont améliorer considérablement la pratique pédagogique d'une façon assez immédiate. Et en échange, c'est vrai aussi que le jour où j'ai un souci avec un élève qui a du mal à suivre, bon, je vais lui faire sauter l'anglais parce que c'est une matière facultative et il va aller chez elle, alors qu'il n'est pas du LIS, pour faire du soutien. Donc là, c'est vraiment de l'imbrication, c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant. Elle m'aide, je l'aide. Et je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner et de convaincre les gens. Par contre, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça demande, en plus de s'occuper des élèves, d'avoir un relationnel avec les adultes qui est... de tous les jours, quoi. Oui, effectivement, si on n'est pas gagnant-gagnant, ça ne marche pas. Si effectivement, ça n'est conçu que comme une surcharge d'un travail qui déjà est important, ça ne fonctionnera pas. Et puis, vous dites aussi le regard des autres. On va y revenir, justement, sur les grosso modo certain nombre, à partir de travaux de recherche, des conditions, effectivement, d'un travail partagé. Et c'est pas simple, parce qu'on dit partager le travail, mais partager le souci, ça ne veut pas dire la même chose. C'est un mot qui est très ambigu. Il dit une chose et son contraire. C'est-à-dire, quand on partage un gâteau, on le divise. Donc, travail partagé, c'est travail divisé. Mais quand on passe un moment convivial partagé, ça dit l'inverse. C'est pas divisé, c'est qu'on fait ensemble. Donc vous voyez que du coup,
Ça signifie que quelque part, eh bien, partager le travail, on fait des choses ensemble. Et bien sûr, il y a des choses qu'on ne fait pas ensemble. Mais quand on fait des choses ensemble et qu'on ouvre la porte de sa classe, c'est compliqué parce qu'effectivement, on a toujours peur de perdre la face. Que l'autre nous voit dans une situation qu'on n'a pas envie de lui montrer. Et là, ça, c'est très déstabilisant. Donc, effectivement, il faut réussir à mettre du suffisamment collaboratif sans avoir une position surplombante. Et c'est ça la difficulté aussi, parce que vous, en tant qu'enseignant spécialisé, vous êtes perçu par vos collègues comme des spécialistes. Donc spécialisé, spécialiste, donc c'est mieux faire. Et donc celui qui sait mieux faire, ben, on ne va pas l'amener dans la classe parce que fouf, il va nous voir patauger. Vous voyez, c'est comment est-ce qu'on constitue une équipe qui puisse mettre sur la table, ben oui, ce qui marche, mais aussi ce qu'on n'arrive pas à faire, quoi. Oui, ici. Oui. Donc moi, je suis responsable de formation KPI à Lille et à Arras. Dans la continuité de ce qu'on disait par rapport au rôle des chefs d'établissement et du pilotage, nous, on a plutôt évoqué l'idée d'inscrire l'éducation inclusive dans le projet d'établissement, avec en filigrane, évidemment, la notion d'éducabilité. Mais un projet d'établissement qui se vit vraiment, qui n'est pas simplement écrit sur un papier. Hein. Donc, il y a tout ce travail-là en amont pour faire vivre l'équipe, les partenaires, etc., etc. C'est plus simple maintenant ou qu'il y a quelques années où les résistances sont toujours... Bon, il y a encore un peu de résistance, mais on note quand même des progrès. Ouais. C'est une première étape, on peut moins dire c'est écrit là, quoi. Mais effectivement, ce n'est pas parce que c'est écrit là que effectivement ça transforme les manières de faire. C'est une étape. Merci. Bonjour, je voulais faire part de mon témoignage. Je suis enseignante, enfin professeure des écoles en CM1, en milieu ordinaire. Et donc, depuis la rentrée... Nous avons mis en place au sein de l'école, qui regroupe 17 classes, un co-enseignement, dont l'enseignante spécialisée donc, intervient au sein de ma classe à raison d'une heure par semaine. Donc ça, ça serait plutôt la limite, puisque finalement... je bénéficie que d'une petite partie en lecture-compréhension. Mais justement, je voulais revenir sur cette peur des enseignants à faire venir quelqu'un dans sa classe. Et finalement, à force de la faire venir, on s'habitue. Et on s'habitue même jusqu'au point où j'en suis à vouloir me filmer et pour me voir finalement... avoir un retour, un miroir de mon langage, de ma pratique avec les enfants, pas seulement quand elle est là, mais aussi finalement sur les autres matières dans la semaine. Donc finalement, à force de faire, on finit par ne plus la voir, mais le but, c'est pas non plus de plus la voir, parce que finalement, je me sers d'elle et elle m'aide à alléger mon travail et non pas à surcharger ma tâche de travail, loin de là. On se voit pour refaire le bilan de la séance qu'on a vécue ensemble, puis de préparer la suivante. Et du coup, ça remet en cause ma pratique. Je suis en élo bonifié. Et lorsqu'elle a un groupe à BEP, je m'oblige à passer près d'elle pour écouter ce qu'elle dit, tous ces apports d'étayage qu'elle fait avec les élèves. Et du coup, je prends des notes. Et après, même si c'est en lecture-compréhension, je m'en resserre en raisonnement, je m'en resserre dans d'autres disciplines, puisqu'en fait, ces questions, elles sont, j'ai envie de dire, presque générales. Et on peut les associer, on peut les transposer à d'autres matières et pas seulement en lecture-compréhension, où c'est, on pourrait croire que c'est fermé. Donc, je m'en sers... autrement.
Et les élèves, tous les élèves sont contents quand il y a 7 heures avec elle, quand elle n'est pas là. Toute la classe en général est déçue, pas seulement les enfants à besoin en BEP, puisqu'en fait, elle apporte vraiment pour l'ensemble de la classe. Et ces enfants-là, en situation en BEP, ce petit groupe est mis... ça permet de mettre en évidence, leur progrès, les réflexions qu'ils ont eues avec la maîtresse spécialisée. Et ça va servir à tous, à l'ensemble de la classe, et pas seulement à eux, en fait. Donc voilà, je voulais faire part de cette expérience de co-enseignement. Merci. Le dispositif plus de maîtres que de classes dont j'ai étudié, dont j'étudie toujours, mais qui est en perte, enfin il est malheureusement en perte de vitesse, mais dont j'étudie le fonctionnement depuis 2013. Bon, je sais bien, on n'est pas avec les enseignants spécialisés, mais ce qui est intéressant dans les retours et les évaluations que nous avons menées sur ce dispositif, c'est les compétences en fait qui ont été travaillées à deux, à minima, enfin entre l'enseignant surnuméraire et l'enseignant de la classe. Et le mot qui revient le plus régulièrement, c'est on a osé, on ose plus à deux. Certains types de situations, on ose plus travailler des situations complexes à deux qu'on ne le faisait tout seul. Et donc, finalement, le regard de l'autre est devenu, qui était une difficulté au départ, est devenu finalement une richesse. Maintenant, ce qui semble difficile chez les enseignants français, en tout cas pour ce dispositif-là, c'est le temps de l'observation. On y reviendra cet après-midi, puisque je vous ai... Enfin, sur les questions de différenciation et d'organisation différentes. Mais les enseignants français s'autorisent peu, en fait, à observer. Ils ont toujours envie d'être dans l'action et dans le faire et d'en faire faire les élèves. Mais c'est différent, bien sûr, mais les maîtres supplémentaires disent, voire les maîtres de classe disent, oui, mais enfin, quand on est à deux, c'est pas pour qu'il y en ait un qui fasse rien, quoi, et qui observe. Alors, et justement, là, on voit bien que il n'y a pas cet usage, cette habitude, et puis très certainement cette formation à l'observation. Ça sert à quoi d'observer les élèves pour faire quoi? Voilà. Donc ça. Mais ces habitudes-là, c'est-à-dire que plus on est habitué finalement, et plus, les articulations entre les deux enseignants provoquent des modifications, des modulations au niveau des pratiques. Et amènerait les élèves vers des situations d'apprentissage plus complexes, oui. C'est bon ? Vous avez pu exprimer ce que vous aviez envie d'exprimer ? Donc, on voit bien, donc, on a entendu du temps, de la formation à tous les niveaux, et dont la formation des chefs d'établissement, qu'on est bien là sur des questions de politique au sens large et d'insuffler des nouveautés et des nouvelles manières de faire, et que ces nouvelles manières de faire ne pourront prendre que s'il y a du gagnant-gagnant. C'est-à-dire si chacun est à même de percevoir que ça apporte quelque chose dans son quotidien. Alors, du coup, j'ai essayé... De reprendre à partir de travaux de recherche quels sont les éléments importants à prendre en considération lorsqu'on travaille à plusieurs. Alors, ces travaux de recherche, il y a des travaux de Pio. Pio, il est prof à Caen. De Tardif et Borges, ils sont des Canadiens. Il y a des travaux aussi de Mérini et de Tomazet, qui ont tous travaillé en fait sur qu'est-ce que ça fait quand on travaille à plusieurs. Alors, voilà. Donc, je vous disais bien que le travail à plusieurs, le travail partagé, c'est un travail
où quelquefois on met en commun, on fait ensemble, mais quelquefois on divise, on sépare, on se distingue. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment à se mettre bien dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose, quoi. Pas toujours. En tous les cas, voilà, j'ai essayé de relever dans la littérature scientifique et je les ai mis en système en tension. Et vous voyez, donc chaque carré, en fait, il y a, dans chaque rectangle plus exactement, il y a toujours cette tension pour bien montrer que sorte de curseur, en fait, on n'est jamais ni tout l'un ni tout l'autre. Bref, aujourd'hui, on sent bien dans l'école française qu'on incite, en fait, les enseignants, depuis déjà longtemps, depuis la politique des cycles de 89, à travailler ensemble. Maintenant, vous voyez bien aussi pourquoi travailler ensemble ? Parce que ce qui est souvent reproché à l'école française, contrairement aux écoles anglo-saxonnes, bon là c'est à grands traits, hein, mais l'école française fait qu'on est beaucoup sur le modèle de la cellule classe. Et que, ben, on réfléchit en fait par classe et puis par progression de classe en classe. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, bien entendu. Mais il n'y a pas que ce système de la classe. Donc, il y a bien entendu le système du cycle, mais on voit bien que si les rappels au cycle sont toujours aussi importants, c'est que ça peine à se mettre en place. Donc, l'idée en fait de ce travail partagé ou de travail collaboratif, c'est de rompre avec le modèle de la cellule classe. Les Américains, ils disent « eggs crate organization », c'est-à-dire la boîte d'œufs, ouais. Il y a des alvéoles, et puis chaque alvéole représente une classe, on ferme, et puis voilà, on a la boîte d'œufs qui est l'école, avec toutes ces classes. Donc, en fait, l'idée, c'est de dépasser la juxtaposition pédagogique, et pour se constituer en ressources pédagogiques plurielles. Ça, c'est des mots c'est des mots, bien sûr, mais vous voyez, le terme de ressources, il est là. C'est-à-dire que, dans les KPI, ce que je disais tout à l'heure, on est bien sur cette idée de devenir des personnes ressources. Mais c'est bien joli. Tout le monde est plutôt d'accord, d'ailleurs, grosso modo. Maintenant, ça pose un certain nombre de débats, de difficultés d'être dans ce travail partagé. On l'a vu aussi dans les exemples que vous avez pris, dans certaines choses que j'ai dites, sur la symétrie et la dissymétrie. C'est-à-dire qu'on n'est pas que en enseignant de classe ordinaire. Il y a des enseignants de classe ordinaire et d'autres. Alors les autres, les PI, les réseaux... C'est-à-dire des gens qui sont spécialisés, voire peut-être spécialistes, et on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'ils font. Les pires, c'est les enseignants spécialisés à dominante relationnelle, les rééducateurs. Alors ça, on dit, alors quand on demande aux enseignants, que fait un rééducateur de réseau d'aide ? On ne sait pas. Donc, vous voyez, il y a toujours des missions qui ne sont pas systématiquement clarifiées. Du coup, c'est difficile. C'est déjà difficile de travailler avec ses collègues de classe ordinaire. Du coup, c'est encore plus difficile de travailler avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la même symétrie et dont on ne se représente pas bien le travail. Donc, il y a toujours, avec l'inclusion... Et ces systèmes inclusifs, cette tension entre une symétrie et une dissymétrie. Où est-ce que je vais pouvoir trouver cet enseignant ? Il est enseignant, mais il est autre chose qu'enseignant parce qu'il est spécialisé aussi. Donc ça, si on n'arrive pas à clarifier les missions de son travail et à rendre explicite ce pourquoi on est là, il y a peu de chances qu'on arrive à travailler de manière symétrique. Et cette symétrie, elle va être nécessaire. Ça, vous le ressentez peut-être régulièrement. Maintenant, pourtant, par exemple, les réseaux d'aide s'est mis en place depuis fort longtemps, et on entend encore des enseignants dire « Non, moi, je ne sais pas ce qu'ils font. »
Donc, est-ce que quelquefois, il y a un petit peu de mauvaise foi aussi? Parce que, bon, il y a quand même un certain nombre de choses. Mais d'où les écrits sont importants, même si on ne le fait pas, même si ça ne transforme pas tout. Mais les missions de chacun vont être importantes et qu'elles soient relativement explicites quand c'est possible. Donc ça, dissymétrie, c'est une condition, c'est en tous les cas des choses que vous devez ressentir, que vous ressentez régulièrement dans votre travail. Maintenant, cette symétrie et cette dissymétrie, elle vient aussi beaucoup de la rupture entre continuité et discontinuité. Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant de classe? C'est celui qui a la responsabilité de la classe en continu. Alors, pour les professeurs des écoles, c'est en continu sur 24 heures, plus quelquefois. Mais pour le professeur des collèges ou des lycées, c'est la continuité sur une discipline. Mais le professeur, il est bien là pour la continuité des apprentissages. Maintenant, le professeur des spécialisés, eh bien, lui, sa caractéristique, c'est d'être là en discontinu. Une heure, ce que vient de dire la collègue, de co-enseignement. Les piailles, c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps. Donc, vous voyez que ce qui est complexe, c'est que le professeur, lui, il gère la continuité avec les élèves, et les professeurs spécialisés, quand ils sont dans la classe ordinaire, ils y sont en discontinu. Et donc, ils n'ont pas la narration de tout ce qui s'est passé. Oui. Tout à fait. Mais par rapport au professeur de la classe, ça n'est pas simple. Cette continuité, et c'est là aussi où on peut revenir sur d'autres spécificités de l'enseignant spécialisé, qui effectivement, lui, il a un autre arrière-fond, ce que je vous disais tout à l'heure sur les réseaux d'aide. C'est-à-dire cet arrière-fond, c'est une autre continuité, une continuité scolaire, où ont commencé les difficultés, quand elles sont apparues, de quelle manière on a réagi, quel est le positionnement des parents, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et là, effectivement, le professeur spécialisé, il a une continuité, mais qui n'est pas celle de la continuité de la classe. Donc, il y a une complémentarité, mais la discontinuité, vous voyez que, vous, parfois, vous arrivez dans la classe en ne sachant forcément pas ce qui s'est passé la veille ou ce qui s'est passé l'heure précédente ou ce qui s'est passé... Donc, bref... Ces ruptures entre continuité et discontinuité sont quelquefois délicates et difficiles. Et c'est aussi réfléchir à qu'est-ce que ça signifie si je vais dans la classe, si je ne peux être dans la classe qu'une demi-heure par semaine. Ça ne sera pas la même réalité que si je peux venir dans la classe 5 heures ou si je peux venir dans la classe 10 heures. Vous voyez bien ? Bon, après... Vous allez me dire, bah non, c'est pas possible. Ok. Mais vous voyez, en tous les cas, là, il y a aussi à gérer des tensions, pas uniquement du côté de la symétrie et de la dissymétrie, mais de cette continuité et de cette discontinuité. Et puis, il y a la question des normes des aidés valeurs. Alors, on se dit, on est tous enseignants, donc on va partager les mêmes valeurs. Alors, les mêmes normes, déjà, sur les normes, le professeur de classe ordinaire, la norme, et c'est pour ça que Gérard Sansevi, qui était mon directeur de thèse, il dit toujours « Un maître, c'est quoi ? C'est un chronomètre. » Passez-moi l'expression, mais c'est joli quand même. C'est-à-dire, il lutte contre le temps. oui, c'est-à-dire, c'est ça la norme. J'ai un socle, j'ai des programmes, c'est vers là que je dois aller. Et du coup, cette norme-là, elle est intrinsèque du métier. Et vous, avec vos petites ailes, vous arrivez en disant « Non, mais ça, c'est pas un problème. Ouais. Si, c'est son problème, bien sûr, du quotidien. Mais vous voulez aussi instiller que cette norme, elle est obligatoire, mais on peut aussi, d'une certaine manière, déroger à certains éléments de la norme, parce que sinon, effectivement, on va être dans une exclusion de certains élèves. Et c'est là un gros dilemme français, parce que notre école, malheureusement, elle est une des plus inégalitaires.
C'est-à-dire que là, vous pouvez aller voir les travaux du CNESCO, par exemple, et un dossier qu'ils ont, un rapport qu'ils ont mis en ligne en 2016, qui a fait pas mal de bruit, mais qui montre que l'école française est très inégalitaire. Grosso modo, elle réussit très bien avec les très bons, elle réussit moyennement avec les moyens, et elle ne réussit pas bien avec les élèves les plus faibles. Donc, vous voyez bien que cette question de normes, elle est à réfléchir. Effectivement, on a nécessité d'amener les élèves à un programme dans un socle commun. Maintenant, il va falloir aménager ce socle commun et ces programmes pour un certain nombre d'élèves. Donc là, il y a la tension de la norme. Et votre norme à vous, elle n'est pas du tout, enfin, elle n'est pas la même. Elle prend en considération d'autres aspects que ne le prennent un certain nombre de professeurs de classes ordinaires. Je caricature, hein, parce qu'eux voient bien aussi que la norme, elle est difficile à mettre en place pour un certain nombre d'élèves, vu l'hétérogénéité des publics aujourd'hui. Donc, il y a les problèmes de normes. Il faut y arriver au même, faut arriver au même endroit avec tous les élèves. Et ça met aussi, ça frotte avec les valeurs. En se disant, ben voilà, on a tous les mêmes valeurs. Ben non. On se dit, si, mais on a tous la même formation. Ah ben non. Ah ben non. Et je trouve qu'aujourd'hui même, il y a de plus en plus de formations diverses et variées. Puisqu'il y a des enseignants qui sont passés par les ESP, d'autres qui sont passés par les IUFM, d'autres comme moi qui sont passés par les écoles normales. Bon, les dinosaures, certes, mais bon, c'est pas grave. Voilà, déjà. Et il y a de plus en plus de vacataires qui ne sont passés par aucun système de formation. Et puis, des listes de suppléances, des... Enfin, bref, il y a un nombre, dans une équipe d'école, je dirais qu'il y a presque autant de formations ou pas différentes que d'enseignants. Et ça, vous voyez, dans la presse, dans le monde, on dit toujours « les enseignants », comme si c'était un corps complètement homogène. Bref, là, dans les normes et les valeurs, c'est compliqué. Et là, vous le voyez bien au quotidien dans votre travail, c'est-à-dire quand l'enseignant de CM2 vous dit, je caricature, bon, alors moi, de toute façon, moi, mes élèves, l'année prochaine, ils vont en sixième. Donc, du coup, tous les jours, ils ont ça à faire à la maison, c'est à apprendre par cœur. Il y a des exercices à faire parce que je les habitue à ce qu'on va leur demander au collège. Et là, vous vous dites, oui, 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 ça va être dur. Donc, vous voyez bien que les valeurs ne... Enfin, c'est pas que des questions de valeurs, c'est des questions aussi d'institution, c'est-à-dire d'être pris dans une institution et de penser qu'il va falloir faire ça pour que les élèves réussissent. Donc, du coup... Eh bien, vous voyez que parfois, vous êtes mis à mal du côté de l'intra-individuel et de l'inter-individuel. C'est-à-dire que parfois, vous avez du mal vous-même à être à rendre à peu près plane tout ce que vous devez, ce que vous devez faire et ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Vous rentrez dans une classe, vous n'êtes pas d'accord avec l'enseignement de cette enseignant ou de cette enseignante-là. C'est-à-dire, vous ne feriez pas ça du tout comme ça. Pourtant, vous n'allez pas pouvoir lui dire « Eh, tu fais n'importe quoi !» Voilà. Donc, alors, c'est comment je vais faire pour pouvoir quand même ne pas avoir un ulcère à l'estomac et puis continuer à travailler quand même avec cet enseignant ou cette enseignante-là de manière à rééquilibrer des choses. Donc, il va falloir que vous négociiez dans votre intra pour pouvoir faire en sorte que l'inter soit quand même suffisamment possible et de pouvoir dire parfois, peut-être que je n'aurais peut-être pas fait ça comme ça, avec un grand sourire en vous disant, mais voilà. Donc, et ça, c'est très compliqué. Mais des deux côtés, c'est compliqué pour un enseignant de classe ordinaire et c'est compliqué aussi pour un enseignant spécialisé. Donc, du coup, on arrive à cette notion de partage et de division. Ça signifie qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire ensemble
et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire ensemble. Et c'est là aussi, mais c'est une fois qu'on voit de quelle manière se dessine le cadre commun de la classe, que vous pourrez décider de plutôt, à certains moments, travailler avec des élèves à l'extérieur, en vous disant, on va prendre les choses différemment, on peut être en classe, mais il va y avoir aussi besoin, dans certaines classes, d'être à l'extérieur pour pouvoir temporiser un certain nombre de choses. Donc c'est là, en fait, tout l'ajustement qui va être nécessaire, et c'est aussi votre variabilité professionnelle. Dans certaines classes, vous y serez, vous vous y sentez bien. Dans d'autres classes, vous préférez être à côté et peut-être pour un jour pouvoir travailler ensemble. C'est-à-dire que, du coup, c'est toujours la tension entre une logique de périmètre et une logique de réseau. Le réseau, c'est bien un tissage, comme dirait Dominique Bucheton, là, les tissages. Mais parfois, mais vous voyez aussi, tout ce que ça peut consommer comme énergie et comme temps d'être toujours en combinaison dans une logique de réseau. Donc il faut aussi ne pas d'être dans une situation qui soit suffisamment viable. Donc parfois on va mettre en place des logiques de réseau et parfois on aura aussi des logiques de périmètre. Et là, la logique de périmètre, eh bien, c'est des sphères qui peuvent être les unes juxtaposées aux autres. Bien qu'aujourd'hui, dans ce travail partagé, on est plus sur des logiques de réseau et de tissage que sur des logiques de délimitation et de périmètre. Mais on ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. C'est dans des ajustements et c'est selon, en fait, les situations de travail. Et dans ces situations de travail, j'englobe bien entendu les gens, les professionnels. Donc on garde bien cette idée de partage sur du commun, mais aussi de la séparation. Et de toujours se dire que le travail partagé, c'est de toute façon un travail sous tension. Vous avez vu là, tous les couples qu'il faut quand même pouvoir agencer d'une certaine manière, et selon les personnes avec lesquelles on va travailler, selon les écoles, selon les établissements, ces couples-là ne seront pas toujours agencés de la même manière. Donc c'est un travail sous tension, c'est un travail aux limites, mouvantes, et puis aux limites aussi imprécises. Et des travaux, par exemple, comme ceux de Françoise Lantôme, qui est professeure en sciences de l'éducation à Lyon, elle dit que le travail partagé, c'est de toute façon une charge de travail plus importante. C'est une charge de travail plus importante. Alors, surtout au démarrage. Ensuite, au fur et à mesure, on va voir on va élaguer, et on va mettre en place des routines, des choses qui vont se stabiliser. Mais on voit bien que c'est un lourd travail. Alors, dans le second degré, les chefs d'établissement ont un peu plus de latitude au niveau des heures. C'est-à-dire que les professeurs du second degré, on peut, à partir du projet d'établissement, négocier des quelques heures qui vont être payées en heures complémentaires la plupart du temps, et qui permettrait à certains moments d'avoir des temps de rencontres qui ne seront pas uniquement occasionnels, mais qui seront portés à l'emploi du temps et qui vont être importants. Dans le premier degré, c'est toujours plus délicat. Ça, c'est bien la grosse scission qu'il y a entre premier et second degré. C'est que les enseignantes du premier degré, les heures complémentaires, il n'y en a pas. Donc là, se loge une difficulté. Mais du coup, sur les 108 heures, qui sont des heures, effectivement, où on va avoir les heures de projet d'école, les heures de conseil de cycle, conseil des maîtres, les heures de formation interne, là, ça va être très important de pouvoir écrire noir sur blanc les heures qui sont attribuées à la question de l'école inclusive. Parce que sinon, on va avoir toujours cette impression que ça sera du hors-temps, du en plus, du temps qui n'est pas reconnu et qui n'est pas rétribué.
Et ça, du coup, un des éléments, si on veut qu'il y ait du travail partagé ou collaboratif, un des éléments clés, c'est que le directeur, avec le directeur ou la directrice de l'école, il puisse y avoir des plannings qui soient organisés et où l'on puisse planifier et anticiper les moments où ces questions d'école inclusive seront à l'ordre du jour. Ça demande également à l'ordre du jour, mais vous le savez mieux que moi, c'est que pour le conseil des maîtres, le conseil de cycle, le conseil d'école, eh bien, on ne commence pas par voir tous les problèmes de ballons, de machins, de bidules, de sorties scolaires, de trucs, parce qu'au bout de l'heure et demie, ben, on a juste fini les urgences. Et donc, c'est d'avoir véritablement un ordre du jour. Et en disant, ben voilà, tout ce qui est du détail, mais très important, bien sûr, dans la vie de l'école, mais que ça soit négocié pendant les récrés, s'il y a besoin, mais que les ordres du jour des réunions soient véritablement à l'ordre, enfin, sur l'ordre du jour qui a été... qui était planifié. Et ça, c'est toujours difficile et c'est toujours délicat. Mais ce sont effectivement des temps de travail sur lesquels il va être nécessaire d'écrire et de notifier et de s'y tenir. Parce que sinon, bah, ça sera toujours du en plus, ça sera toujours du hors temps et ça sera toujours un travail... Je viens d'oublier le mot. Un travail qui n'est pas... Un travail souterrain, c'est pas ça le terme, c'est clandestin, voilà, merci beaucoup. Ça sera toujours du travail clandestin. Or, si c'est du travail clandestin, enfin si c'est considéré comme du travail, si l'école inclusive est considérée comme un travail clandestin, vous pouvez être sûr que c'est même pas la peine. Ou informel. Et là, vous avez les travaux de Le Saint de la Barre, par exemple, sur tout le travail informel qui sont, et les partenariats, ou les travaux de Thomazet et de Mérigny qui montrent bien que si on ne reste que sur de l'informel, le risque, c'est que ça marche pendant quelques semaines et ça se dilue jusqu'à être perdu. Donc, ces éléments de travail partagé, ils sont nécessairement au cœur de l'école aujourd'hui, même si on sait que c'est extrêmement complexe, mais il faudrait le sortir de sa clandestinité. Voilà. Je me suis trompée de... Non, voilà, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Ah. Voilà, et donc là, on arrive à la partie 4, qui sera la partie de cet après-midi. Il nous reste un quart d'heure. N'hésitez pas à prendre la parole. Et que vous soyez d'accord, pas d'accord, et les choses que vous... Voilà. On est dans essayer de poser quelques éléments, quelques faits, et on ira cet après-midi sur les pratiques, au plus près des pratiques des classes. La faim vous gagne, c'est ça? Il y a un problème. Ah si, ça marche. J'étais en train de dire, je suis en souffrance avec le micro qui marche de temps en temps par intermittence. Donc si vous avez des questions, on a un peu de temps. Oui. On a le temps, c'est 13h normalement, il est moins le quart. Mais on a encore une petite dizaine de minutes s'il y a encore des remarques, des questions. Des témoignages. Par ici. Voilà, moi je suis enseignant dans le second degré, mais enseignant spécialisé aussi, et je me pose toujours cette question, est-ce que l'inclusion, est-ce que les situations de handicap sont pas destinées à nous, l'enseignement spécialisé? Alors que le milieu ordinaire, lui, se pose bien d'autres problèmes et c'est peut-être pas forcément toujours leur priorité. Mmh. Voilà. Donc je trouve qu'à un moment donné, il y a une relation qui a du mal à fonctionner parce que justement, ils ont leurs priorités. Je suis aussi professeur en CAP et ben, je me dis que des fois, c'est compliqué parce que l'enseignement ordinaire considère peut-être que c'est pas leur problème
prioritaire à eux. Voilà. Ça, en fait, le souci avec les mots, c'est que dès qu'on parle d'inclusion, on parle de, enfin, grosso modo, quoi. Inclusion, handicap, bon, voilà, c'est hors norme. Donc, c'est pour ça que je pense que si on est vraiment dans une école inclusive, il faut parler de scolarisation, point. Mais c'est complexe, hein, mais la scolarisation de tous. Et pour scolariser tout le monde, eh ben, il va falloir moduler un certain nombre de choses et ne pas mettre en avant finalement la situation, enfin le handicap ou le trouble ou la maladie, mais de mettre en avant la scolarisation en se disant que ben voilà, pour surtout en CAP, on va avoir des élèves qui vont avoir de très grandes difficultés scolaires, pas du tout issus, enfin qui ne trouvent pas leur origine dans un handicap, pour d'autres oui. Donc, du coup, c'est vrai que si on reste centré sur la pathologie, sur la, oui, on ne peut pas y arriver, quoi. Parce qu'effectivement, pour un certain nombre d'enseignants, c'est pas leur priorité. Et c'est d'ailleurs pas leur priorité. Mais ça, d'ailleurs, la pathologie, c'est la priorité de personne, si ce n'est des médecins, quoi. Donc, c'est là où... Ou le bas blesse. Et beaucoup d'enseignants, dans la formation, ils pensent qu'ils ont besoin d'avoir des apports en termes de pathologie. Les modules de formation dans le KPI. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Hein. Les modules de formation dans le KPI, les modules d'approfondissement, ils sont étiquetés sur des pathologies. Ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est terrible parce qu'on sait en quoi la formation est une condition des pratiques. Oui. Et là, on est en train d'avoir un dispositif, une ingénierie de formation qui est contraire à ce que doit être l'éducation inclusive. Complètement, oui. Vous pensez qu'il y a une réforme de la formation en cours ? Pensez-vous qu'il y a une réforme de la formation en cours ? Non. Non. Bah, elle vient d'arriver. Déjà, on a du mal à la mettre en place. Et que dans toutes les... Parce qu'en fait, la nouvelle formation KPI... Le texte, le BO, est sorti le 14 février pour une mise en œuvre dès juin pour une semaine, puis ensuite 300 heures de formation qui sont en cours. Et effectivement, on est tombé des nues lorsque, lors d'une réunion, enfin lors de la sortie du BO, on a vu que tous les modules, donc il y a un gros module, la moitié de la formation, c'est un tronc commun. Et il y a deux modules de 52 heures qui sont effectivement liés aux pathologies. Et là, tout le monde est tombé des nues quoi, en se disant mais qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait ça ? Et pourtant, il y a eu un comité, hein, il y a eu un comité de suivi pour. Ouais, non, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont réfléchi. Ça, c'est sûr. Par contre, mais qui n'ont pas été entendus. Non, ce qui est drôlement intéressant, c'est enfin, l'épreuve KPI est très intéressante parce qu'elle s'inscrit bien. Elle s'inscrit bien dans les logiques de l'éducation inclusive. Oui. Voilà, le schéma de formation est contraire. Oui. Donc après, ben, il faut essayer de lisser ça. Enfin, bon, moi, je suis chargée de mission à l'ESPE à Nantes. Et effectivement, ça a été un casse-tête, mais on a fait des choix effectivement de ne pas rentrer par... On a fait des choix de rentrer par les conséquences et donc les empans didactiques en fait et pédagogiques quoi. Mais c'est un casse-tête. Bon, ça va, je vous ai ouvert l'appétit, j'espère. J'espère que vous n'aurez pas... Mais on va continuer cet après-midi hein, dans ce même, en essayant de continuer à avoir des interactions entre nous. Je vous remercie de jouer le jeu.